Al-Azhar est une institution. C'est une tribune pour enseigner l'islam dans sa représentation authentique, c'est-à-dire tel qu'il nous a été transmis par le prophète Mohammed. Paix et salut sur son âme. Al-Azhar a été fondé dans un premier temps pour enseigner un rite déterminé. Mais Dieu a voulu qu'Al-Azhar soit un phare et un protecteur pour l'ensemble des rites sunnites, ainsi que pour tous les autres rites. Lorsque l'Azhar a été bâti, cet endroit n'était pas encore urbanisé. Il l'a été essentiellement dans la perspective de fonder une ville nouvelle pour le califat fatimide. Et depuis cette cité, les Fatimides ont régné sur l'Égypte durant près de 3 siècles. Pendant longtemps, pour se rendre à la Mecque, le voyage se faisait en caravane par la route. Les pèlerins venaient de tous les pays musulmans. L'Égypte était une étape importante pour ces caravanes de pèlerins qui arrivaient du cœur de l'Afrique et de l'extrême nord de l'Afrique. Al-Azhar était un point privilégié de visite et pour beaucoup, une halte nécessaire pour étudier avant de se rendre à la Mecque et Médine. Celle qui va avoir le destin le plus long peut-être dans l'histoire de l'islam et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, c'est la mosquée Al-Azhar, la mosquée brillante, hein, la mosquée et qui est fondée par les Fatimides. Au départ, c'est une mosquée chiite et aujourd'hui, Al-Azhar, évidemment, est le, par excellence le centre du sunnisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depuis plus de 1000 ans, Al-Azhar est à la fois une mosquée et une université. Elle confère à l'Égypte un statut privilégié dans tout le monde musulman sunnite. Al-Azhar est un pôle de recherche et de transmission de l'islam unique en son genre. Son histoire débute avec la dynastie fatimide. Un esclave soldat du nom de Jauhar qui conquiert l'Égypte à la fin du Xe siècle, en 969, et qui l'année même fonde ce qui sera la nouvelle capitale de l'Égypte, mais qui est d'abord un camp retranché pour ses troupes à l'écart de Fustat, dont il craint un peu, il n'est pas très sûr de la fidélité. La majorité de la population musulmane est sunnite, et donc il n'est pas sûr que cette population sunnite accepte de bon gré la domination des Fatimides chiites. Et cette ville, qui va évidemment devenir la capitale de l'Égypte au fil des siècles, qui va absorber Fustat, qui est aujourd'hui un quartier du Caire, cette ville commence son essor seulement sous les Fatimides, bien sûr, au Xe, au XIe siècle, elle est très rapidement une ville extrêmement importante, et petit à petit, elle va s'imposer dans l'histoire de l'islam, au détriment de Bagdad. L'arrivée des Fatimides en Égypte a engendré un nouveau changement dans l'histoire du pays. En effet, tout au long de cette période, qui débute avec l'arrivée de l'islam, conduite par le libérateur Amr ibn al-As, jusqu'à l'époque des Fatimides, l'Égypte était une région rattachée au califat musulman, que ce soit celui de Médine, du temps des califes bien guidés, celui de Damas avec les califes omeyyades, ou celui de Bagdad avec les califes abbassides. Puis a surgi un califat différent voulant affronter le califat abbasside sunnite. Il s'agit des Fatimides, qui sont des chiites ismaéliens. Ils conquièrent l'Égypte. Al-Mu'izz lid-Din Allah devient le premier imam en Égypte et le quatrième de la filiation des imams fatimides depuis la création de la dynastie en Afrique du Nord. C'est le début d'une ère nouvelle en Égypte, qui devient l'axe d'un nouveau califat, opposé au califat sunnite de Bagdad. S'ajoute à cela la naissance d'un troisième califat différent des deux autres, le califat sunnite de Cordoue, avec les Omeyyades d'Andalousie. Cette époque a été marquée par l'ascension du rite chiite
au beau milieu des régions acquises au rite sunnite. Surgit également un courant plus rigoriste, portant le nom de Karmat, qui conquiert alors de nombreuses terres musulmanes, entre dans Bagdad pour un temps, ou pour le moins s'approche de ses murs, et s'empare de certaines régions du Levant. En fait, cette période a vraiment été celle de l'ascension du rite chiite, qui de manière générale s'est imposée politiquement dans la région. Cependant, l'Égypte n'avait pas l'engouement doctrinal qui aurait poussé le peuple égyptien à s'inscrire dans un conflit religieux avec cette force nouvelle qui avait pris le pouvoir. Il existe des écrits d'historiens de cette époque. Ils nous parlent d'une Égypte chaféite. La pratique du rite chiite était étrangère à la société égyptienne, acquise au chaféisme, qui est un rite apaisé, loin de toute intolérance. La population avait vraiment cette intime conviction de l'islam sunnite. Les Fatimides sont une dynastie berbère chiite, originaire d'Afrique du Nord. Ils construisent une nouvelle capitale en Égypte. Ils l'appelleront le Caire, en arabe, Al-Kahira, ce qui signifie la victorieuse. En 970, le général Jawahar al-Tsekele fonde dans la ville une grande mosquée qui va rapidement élargir son champ d'activité en devenant une université. L'une des plus anciennes au monde. Tout au début, cette mosquée s'appelait la mosquée du Caire, du nom de la capitale nouvelle. Durant une longue période, elle est restée un centre pour la propagation du message ismaélien dans le monde. Le nom de cette mosquée a changé au XIe siècle, ce qui correspond au Ve siècle de l'Égypte, en devenant la mosquée Al-Azhar. La mosquée Al-Azhar a connu des péripéties surprenantes. Initialement, elle est fondée par les Fatimides qui en font une tribune pour propager leur rite, mais également pour être la principale mosquée. À l'époque, c'était la mosquée officielle dans laquelle le calife faisait ses prières, accompagné des notables et grands responsables, pour que cette mosquée soit un phare pour diffuser la doctrine chiite. En réalité, à l'époque, on enseignait à Al-Azhar la doctrine chiite et la jurisprudence chiite. Mais le peuple, lui, ne s'intéressait pas à ce que diffusaient les Fatimides. Et c'est à l'extérieur d'Al-Azhar qu'on enseignait le rite sunnite, les hadiths, les lectures du Coran, l'exégèse, les sciences de la langue et d'autres sciences. Des dynasties qui ont régné sur l'Orient médiéval, les Fatimides finissent par s'affaiblir à partir du milieu du XIIe siècle. Les rivalités entre émirs et les dissensions internes sont de plus en plus nombreuses. En 1171, Saladin met fin au pouvoir chiite, ouvrant ainsi une nouvelle ère, celle de la dynastie Ayyoubide. La conquête de l'Égypte par Saladin et la reconquête sunnite de l'Égypte est en revanche un moment de rupture important.
Un des témoins de cette rupture importante, c'est pas le seul, hein, mais un des témoins de cette rupture importante, c'est précisément la mosquée Lazar. La mosquée Lazar est abandonnée purement et simplement parce qu'elle est considérée comme un des foyers du chiisme. D'une manière générale, toutes les institutions chiites du Caire, et le Caire avait été fondé par des chiites deux siècles auparavant, donc le Caire était plein d'institutions chiites, bien sûr, toutes ces institutions chiites sont abandonnées. Le quartier des palais fatimides est abandonné, hein, pendant presque une centaine d'années. Saladin a pu prendre de nombreuses décisions. Il a construit des établissements scolaires, il a aboli les conseils chiites, il a également installé une école hanafite, en fait une école soufie et des madarsas. Ainsi a débuté un renouveau sunnite. Il a mis fin au sermon fatimide en Égypte à l'aube de 567 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1171 de notre ère. Il a prononcé son serment d'allégeance au calife al-Mustadi al-Abbasi, et à partir de là, l'Égypte est entrée dans une nouvelle ère en rejoignant la majorité des États musulmans. La fermeture d'Al-Azhar était à cette époque-là une nécessité religieuse et politique. Saladin en était convaincu. Il a constaté que l'immense majorité des Égyptiens étaient de tendance sunnite. C'est pour cela qu'Al-Azhar est resté fermé pendant près d'un siècle. Saladin et la dynastie de Saladin sont la dynastie qui ont fait passer précisément la capitale de l'islam depuis l'Irak et la Syrie jusqu'à l'Égypte, hein, jusqu'au Caire. Hein. C'est le frère de Saladin, Al-Adil, celui qui a discuté avec Richard Cœur de Lion, hein, l'homme qui a mis fin aux croisades par la première négociation passée entre les pouvoirs musulmans et les croisés, en l'occurrence le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. C'était le début d'une nouvelle ère. Plus aucune prière du vendredi n'était célébrée à Al-Azhar. Plus aucun cours n'y était dispensé. À tel point que le célèbre historien Al-Makrizi rapporte que les dalles du sol se décollaient, les murs se lézardaient, les plafonds s'écroulaient, et ce, jusqu'à l'arrivée de Rukneddin Baybars al-Bundukdari, l'authentique fondateur de la dynastie des Mamelouks en Égypte. C'est lui qui demanda aux savants religieux une fatwa pour le retour du prêche du vendredi à Al-Azhar. Louange à Dieu qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire prévaloir sur toutes les religions. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et le remercie. Je me repens auprès de lui. Je demande son pardon. Et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, seul, l'unique, sans aucun associé. Et je témoigne que notre maître et prophète, notre bien-aimé, notre guide, notre modèle Mohammed, est son serviteur et son messager. Que la prière, le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sur ses proches et ses compagnons. Une prière digne de sa grandeur et de son illustre rang. Ceci étant, ô vous musulmans, les objectifs et les intentions de la loi islamique sont là pour préserver les intérêts de l'humanité. Dans la vie ici-bas et lors de la résurrection, et aussi dans la façon d'assurer la subsistance. Le système de valeurs en islam ne se dissocie pas de sa doctrine, et c'est même le fruit de la foi. Et Dieu, le sage législateur, s'il émet une injonction ou un interdit, que son serviteur sache que l'injonction ou l'interdit de son Créateur est en effet dans son intérêt, pour qu'il puisse mener une vie agréable, complètement paisible,
remplie de bonté, d'amour et de beauté, que la législation l'entoure d'un rempart infaillible de paix et de sécurité. Ce sont fondamentalement les malheurs de Bagdad et en particulier les invasions turques, mais surtout les invasions mongoles, hein, qui vont pratiquement détruire Bagdad et faire du Caire le refuge. Hein, le refuge de l'islam, le refuge de la langue arabe, le refuge de la littérature arabe, le refuge de la civilisation islamique. Les portes d'Al-Azhar se sont ouvertes aux savants fuyant les pays d'Orient, fuyant la furie et la barbarie des Tatars et des Mongols. Ces savants sont arrivés en Égypte pour se réfugier, sauvant leur vie, leur personne, leurs biens, et préservant leur savoir et leurs connaissances. L'Égypte leur a ouvert ses portes, Al-Azhar les a accueillis et leur a permis d'enseigner leurs sciences. L'Égypte a été un refuge pour de nombreux savants. Al-Azhar les a tous accueillis. Des grands savants tels que Ibn Hajar al-Asqalani et bien d'autres. Aujourd'hui, de nombreux savants venus du Maghreb, spécialisés dans le rite malékite et dans les études doctrinales ash'arites. Nous avons de nombreux échanges scientifiques avec les pays du Maghreb arabe, avec les pays du Moyen-Orient arabe. Parmi les nombreux savants du Maghreb, certains sont devenus shir d'Al-Azhar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ce sont les Mamelouks qui vont rétablir
à la fois la mosquée et en effet un enseignement. D'une manière générale, les mamelouks multiplient les madrassas au Caire. Hein, une très large part des madrassas du Caire qui sont très nombreuses, ou des khanqas comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des couvents soufis qui sont aussi des institutions d'enseignement, sont financés par les mamelouks. L'Azhar sera effectivement parmi les mieux pourvus, à la fois comme mosquée et comme institution d'enseignement. Les Mamelouks instituent aussi la règle des quatre écoles juridiques. Alors, les quatre écoles juridiques sunnites qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les Shafi'ites qui sont majoritaires en Égypte, les Hanafites qui sont l'école de l'Empire en quelque sorte, l'école abbasside et plus tard des Ottomans aussi. L'école malikite qui est celle du Maghreb fondamentalement et l'école hanbalite qui est partout mais qui va donner entre autres le wahhabisme à partir du 18e siècle. Et donc les mamelouks vont instituer des juges de chacune de ces quatre écoles pour que tout musulman sunnite puisse être jugé selon la coutume. Dans les médersas, deux espaces se côtoient harmonieusement. Des cellules au sein desquels méditent les disciples soufis, et un tribunal où les juges, les cadis, reçoivent les doléances des plaignants et prononcent leur jugement. La réouverture de la mosquée Al-Azhar s'est faite progressivement dans la vie de tous les jours. L'influence qu'elle a eue, que beaucoup n'ont pas remarqué et qui, de mon point de vue, est l'aspect le plus important, c'est qu'Al-Azhar avait gagné le cœur des gens de l'intérieur du pays. Et elle est devenue aussi un refuge pour de nombreuses personnalités de diverses nationalités. Elle n'était pas uniquement une réalité égyptienne. Ainsi, après la réouverture d'Al-Azhar, de nouvelles habitudes et organisations sont apparues comme celles des coins, le coin étant un espace entre des piliers réservé à l'enseignement des personnes d'une même nationalité, le coin des Turcs, le coin des Africains, le coin des Soudanais. Al-Azhar, sans agitation politique et sans lutte avec le pouvoir, s'est transformé progressivement en une université à la dimension internationale. Alors Al-Azhar est tout simplement, devient petit à petit, dès l'époque mamelouk, la grande autorité, plutôt chafiite justement, juridiquement plutôt chafiite et philosophiquement acharite comme on dit, c'est-à-dire de la philosophie sunnite, du kalam sunnite le plus répandu, celui qui était déjà le plus répandu à Bagdad, et elle reprend justement l'héritage bagdadien fondamentalement. Ce changement au sein de la mosquée Al-Azhar est une volonté de Dieu, comme il se dit pour un esprit éclairé, est une approche ouverte sur l'autre, recevoir le meilleur de chez les autres et offrir le meilleur de ce que l'on a. L'évolution qui a eu lieu est un changement logique, un changement mesuré, dont bénéficie la majorité des musulmans sunnites, que ce soit en Égypte, dans les pays arabes ou les pays du Maghreb. Par ailleurs, Al-Azhar n'étouffe pas l'héritage de la pensée chiite. Bien au contraire. Nous avons Al-Azhar, dans le cadre de notre enseignement, la jurisprudence comparée. Nous étudions les 8 doctrines et parmi elles, les rites chiites. Après la prière de l'après-midi, les fidèles apprennent auprès d'un imam les différentes variantes de psalmodie du Coran. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب Au début du XXe siècle, elle va devenir la mosquée et l'université de la réforme.
Hein, c'est la mosquée de la Nahda, c'est la mosquée de Mohamed Abdou, qui est un des grands enseignants. Il meurt relativement jeune, à peine une cinquantaine d'années, mais c'est un des grands enseignants de cette mosquée, et un enseignant moderniste. Hein, l'Azhar est l'université moderniste par excellence. Elle suit, elle accompagne, elle précède même le mouvement moderniste égyptien, cette espèce de triomphe du modernisme égyptien de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, l'université Al-Azhar est classée à l'échelle mondiale et la majorité de ses enseignants dans les différentes sciences expérimentales sont également connus au niveau international. Leurs recherches et parutions enrichissent les revues scientifiques mondiales. Al-Azhar part du principe que l'islam est à la fois vie et foi, ici-bas et au-delà. C'est cela le juste milieu dont fait preuve Al-Azhar et dans lequel il excelle et se distingue. La pensée de l'islam est dans sa forme pratique, agit, fait. Il n'est pas promesse, doctrine, il est travail pratique. Le mariage, le divorce, la vente, l'achat, c'est ce côté pratique, comme le code civil actuel. Cette jurisprudence est appelée à être régulièrement actualisée. À Al-Azhar, nous avons par exemple une matière qui s'appelle les questions de jurisprudence contemporaine. Nous explorons les questions sociétales nouvelles. Nous ne nous arrêtons pas seulement à l'ancien. Mais nous construisons sur l'ancien, nous l'enrichissons, nous en tirons profit, nous bâtissons du nouveau pour définir ce qui convient à l'époque et ce qui convient aux intérêts des gens. Pour étudier, il faut s'élever avec une vision élargie de l'horizon et non pas avec une vision étriquée. Il n'y a aucun problème à accepter la critique, à accepter une idée et son contraire. Par exemple, Abu Hanifa a dit ceci et Shafi'i dit cela. L'argument de Abu Hanifa est faible, l'argument de Shafi'i est, voilà, parce que l'argumentaire de celui-ci est plus fort. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Il y a probablement des questions nouvelles, comme la fécondation in vitro, les vaccins industriels, les mères porteuses, la vente ou la donation des ovules. Personnellement, j'effectue des recherches sur ces thématiques. Je suis intéressé par les nouveaux thèmes, les transactions et échanges qui se font aujourd'hui à travers Internet et les réseaux sociaux, les trillions de dollars qui s'échangent. On n'a plus besoin de se déplacer physiquement aujourd'hui. Al-Azhar est une porte. Al-Azhar est une tribune substantielle pour la préservation de la culture islamique. Durant ces deux dernières décennies, et plus précisément ces 10 dernières années, Al-Azhar a œuvré avec détermination pour le vivre ensemble en paix, le dialogue avec l'autre. Nous avons la charte de la fraternité humaine. En Égypte, nous avons la maison de la famille. Son Excellence, le grand imam Cheikh Al-Azhar, participe aux événements avec les leaders et grands responsables des religions et croyances existantes pour montrer aux gens, au travers d'une image pratique, combien l'islam est tolérant, comment l'islam accueille l'autre, comment l'islam respecte l'autre. Al-Azhar est une institution qui se veut un don de Dieu pour la communauté musulmane, pour préserver l'islam, pour faire prendre conscience aux musulmans de la sagesse et des belles manières. L'appel islamique d'Al-Azhar est comme l'a voulu Dieu pour nous. Appel à la voix de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Dis, voici ma voix. J'appelle les hommes à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance.